gagner l'identité visuelle pour la marque Aera. C'est prestigieux parce qu'on a plusieurs projets dans le passé, mais on en a plusieurs en développement. Donc ça, ça vient appuyer le travail qu'on a fait derrière la marque. Puis pour avoir participé à la mise en marché de la marque et du projet Aera Saint-Constant, on voit la réponse des clients, mais là, d'avoir un jury qui dit également une bonne réponse par rapport à la marque, c'est vraiment gratifiant. À long terme, pour moi, là, qu'est-ce qui est vraiment gratifiant dans le travail que je fais, c'est la réponse du public, surtout. Puis d'avoir gagné le choix du public pour l'unité aménagée, ça répond vraiment à mes besoins. Parce qu'on voit que le travail qu'on fait, puis je ne vais pas juste parler de moi, c'est une équipe derrière le projet, de voir tout le mérite qu'on a, puis c'est le vote du public, on s'entend. Ça aurait été le fun, le choix du jury, mais le vote du public, je trouve que c'est encore plus important. C'est pour voir tous les projets, puis on s'entend, nous, on est du locatif, fait qu'on peut pas se permettre d'être extravagant. Faut être là à long terme, on s'entend. Puis je pense que c'est ça que les designers visent toujours, c'est d'être intemporel dans leur design, mais c'est vrai qu'une touche de boldness, ça serait apprécié de justement aller chercher des couleurs. Puis on l'a vu dans le passé, dans certains de nos projets où vraiment on a eu une équipe de design qui était bold. On a pu présenter ça d'une façon très différente au niveau du marketing. Puis la réponse a été tout autant excellente. Donc c'est sûr que l'équipe design, je pense qu'il y a un mérite à être bold.